Oui, alors, dans Libération notamment, il fait des textaments, est-ce qu'il fait l'image avant, est-ce qu'il prédomine dans son travail, comment ça se calme. Il fait des en même temps. Beaucoup de références au conte. Ouais. Moi, ça m'a fait penser à comment ça s'appelle, la comtesse de Ségur, avec le petit gars, tout ça. Oui, avec le martinet. Voilà le documenté. Il a fait, c'est à l'encre de Chine. Ça avait dit au son roman. Et comme technique, il a commencé avec de la linogravure. Le dessin qui va apparaître en blanc est en creux. Et on encre la surface qui reste. La surface imprimante est noire. Rencontrer Mathias Lehmann, qui est avec nous depuis hier après-midi seulement, qui a déjà bien suivi le tronçon de la Vendée. J'ai traversé les marais. Tu commençais à 20 ans, quoi. Oui, c'est facile à calculer, 38 ans. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc, je fais de la bande dessinée, évidemment, c'est pas mon seul. Moyen de gagner ma vie, parce que c'est très compliqué de gagner sa vie juste avec les ventes des livres. Donc je fais aussi de l'illustration, des rencontres, des ateliers, aussi des fois des histoires courtes pour des revues, etc. Enfin bref, ça reste dans le domaine du dessin. J'ai une pratique de la technique de la carte à gratter, qui est la technique que j'ai développée principalement dans ce livre-là, qui est entièrement réalisé à la carte à gratter. Et donc c'est une technique qui est assez proche de la gravure sur bois. Et donc Maus, c'est quand même un livre assez important. Mais voilà, depuis 20-30 ans, je pense qu'il y a quelques livres comme ça qui se sont imposés. Peut-être il y a 15 ans, il y avait Persepolis de Marjane Safavi qui a eu un énorme succès aussi. En prise avec aussi. Ben voilà, c'est aussi des livres qui répondent aussi à des interrogations sociétales. Moi, j'aime la BD, mais humoristique. D'accord. Je suis restée un petit peu côté enfantin. C'est-à-dire les coups de ville, les choses comme ça. Il ne faut pas que ce soit trop compliqué. Donc justement, je découvre un autre univers de la BD. En fait, je voulais partir sur un récit cruel d'enfance, etc. Donc évidemment, j'ai pensé au malheur de Sophie, j'ai pensé au bon petit diable. Oui, mais j'ai pas relu le bon petit diable. Moi, le but premier, c'est d'ouvrir une piste sur un sujet, en l'occurrence la favorite. Le sujet, disons, sous-jacent et le plus important, c'est l'identité sexuelle et le déterminisme social, et comment ces deux choses-là un peu vont s'interpénétrer. Et s'inter-influencer, etc. Et voilà, c'est la thématique de base. Mais après, bien sûr, moi, à titre personnel, je trouve ça révoltant qu'on ait encore ce phénomène de classe sociale et que ça crée de l'exclusion et également que selon qu'on soit un homme ou une femme, on ne vit pas les choses au même degré, etc. À titre personnel, je trouve ça révoltant. J'espère que le lecteur va penser la même chose en lisant mon livre, mais après tout, il en fait ce qu'il veut. Moi, parce que le livre, c'est une proposition. Et ben, ça, c'est une phrase qui est tirée de son livre Un enfant, où il raconte un peu son enfance. Et en fait, cette phrase, elle est au début du livre, mais disons que logiquement, enfin, au niveau du sens, ça devrait plutôt être à la fin, puisque c'est... Un peu presque ce que pourrait dire le personnage de Constance à la fin. Ouais, voilà, c'est ce qu'elle laisse derrière elle. Bref. La symbolique du poil à gratter au début et de la coccinelle à la fin. De la favorite. Alors, je vais vous dire comment ça s'est passé. Mon éditeur m'a dit il faut des pages de garde. D'accord. Donc j'ai fait plein de petits dessins et il a gardé que ceux-là. Il les a placés lui-même, un à la fin, un au début. Et donc, alors, est-ce que lui a réfléchi à la dimension symbolique du truc? C'est possible. Mais moi, personnellement, pas du tout. Donc, c'est un masque. Le masque à la fin, c'est que quelque part, il se.
voilà, le masque, le symbole du masque, c'est tout simplement parce qu'il est en train de cacher quelque chose. Enfin bon, voilà. Donc ce qui se passe après quand il est au bord du ruisseau, c'est qu'il perd le masque parce qu'il vient juste d'être démasqué au sens propre. Donc voilà, la symbolique, elle était là. Mais le masque en lui-même, c'est un masque de carnaval allemand. Je sais plus où j'ai trouvé ça. En fait, j'avais trouvé des gravures avec ce masque. Et il m'avait une thématique donnée. Et là, on a 24 heures pour faire une bande dessinée de 24 pages. Donc, en gros, une page par heure. Donc, en général, on reste réveillé 24 heures durant, ou alors on peut faire des pauses. Bon, ça dépend. Mais moi, par exemple, quand je l'ai fait, j'étais à l'Université libre de Bruxelles. On était une soixantaine dans une pièce. Et on est parti, on a fait ça. Il y en a qui tombaient dans les pommes en cours de route. Non, j'exagère. Mais voilà, en fait, cette histoire, du coup, elle a été dessinée très vite, dans un état second et tout ça. Donc après, si le personnage ressemble à quoi. Du café. Une autre fin, un autre déroulement sur certains de vos personnages. Est-ce que ça vous arrive? Non. Alors, déjà, je les relis rarement. Là, par exemple, je la relis parce que je vais faire une lecture ce soir et que du coup, voilà, pour concrètement que je lise. Donc, c'est un peu bizarre, mais souvent, je dessine en écoutant la radio ou alors même en regardant des films. Enfin, je les regarde pas, je les écoute. En fait, j'ai un film qui se déroule, etc. Et du coup, quand je feuillette, quand je regarde, je me souviens telle page de tel film, de telle émission de radio, etc. Donc, il y a des trucs qui me reviennent, mais du coup, c'est impossible de me concentrer sur le récit en tant que tel. D'accord, parce que vous pourriez en découvrir autre chose que l'intention que vous y aviez mise lorsque vous l'avez écrit. Je le fais quand j'en discute avec les gens et que les gens ils voient des choses nouvelles, etc. Du coup, oui. Ah non, mais peut-être qu'il n'existera jamais ce bouquin. Donc, avant de la boule lourde. Dans 3 ans. Non, mais c'est compliqué. 6 mois pour écrire et puis 2 ans et demi pour mettre en page. Mais là, j'ai l'impression que pour l'écriture, il va falloir plus de 6 mois. Plus ça va, en fait, plus le travail d'écriture du scénario devient de plus en plus long et demande de plus en plus de documentation. En fait, avec les années, j'ai l'impression que je suis de moins en moins sûr de moi. J'ai de plus en plus besoin d'avoir de la documentation. Et à quoi comment vous expliquez ça? De plus en plus ambitieux, il fallait chercher de plus en plus de matière. Parfaitement. Voilà.